Bon ben, puisque j'ai à vous parler de Patrick le Yarrick, peut-être un petit mot d'Aubervilliers avant. Il arrive là, comme futur parlementaire, en tout cas comme candidat, mais c'est pas quelqu'un qui ignore Aubervilliers puisqu'il y habite depuis un nombre important d'années. Et à ce titre-là, je l'ai souvent rencontré. Un peu comme en voisin, quoi. Il y a une course de vélo. Quand j'étais maire, j'allais à la course. J'avais quelques mots à dire. Mais lui, il venait regarder la course. Donc on bavardait, comme ça. C'est un peu comme ça qu'on s'est connus. Mais je trouve qu'il correspond bien à Aubervilliers. Et c'est important, ça. Il la connaît, la ville, mais il a des atomes avec lui. C'est une ville... populaire s'il en est, diverse s'il en est, avec un nombre de personnes frappées par la pauvreté s'il en est. Hein. Et cette ville, moi quand j'en parle, je dis, elle est rude, mais tendre. Et quand je regarde Patrick le Yarrick, ces deux mots, rude et tendre, je les retrouve. Rude, ça veut dire un homme qui a des convictions, un homme qui est battant, un homme qui veut construire, un homme qui se bat. Et tendre, c'est un homme qui est discret, qui écoute beaucoup, qui ne s'impose pas, qui, quand je dis qui écoute beaucoup, quelquefois on pourrait presque dire, je pense à une expression de Julien Gracq, qui écoute éperdument les autres. C'est-à-dire que sa pensée, elle est aussi faite de ce qu'il collecte par l'oreille, n'est-ce pas ? Et de ce point de vue, il a de l'ouïe, n'est-ce pas ? Il a de l'ouïe. Alors, en plus, il est pédagogue. Par exemple, dans la dernière période, il a fait des réunions, là, dans le cadre de la campagne pour les présidentielles, et il a parlé de certains dossiers européens. Mais alors il est découpe en détail. On dirait qu'il déplie les choses pour faire apparaître l'objet profond qu'il y a au milieu de la loi. Et pour la combattre mieux, n'est-ce pas ? Et après il explique comment en venir à bout. De ce point de vue-là, il a un petit côté instituteur rural. Hein, je mets les deux mots parce que c'est son origine, la ruralité. Elle est bretonne. N'est-ce pas ? Moi, je suis champenois, je suis loin de lui, bien sûr. Mais il y a ça. Et en Bretagne, qu'est-ce qu'un instituteur, c'est plus qu'un instituteur ailleurs, parce qu'il y a eu toutes les batailles pour imposer, comment dirais-je, l'école laïque, vous voyez. C'est cet homme-là. Il est intelligent sans le montrer, c'est-à-dire qu'il n'est pas matu vu. Hein ? Et finalement, quand je le croise dans la ville, qui se promène, ou qui vient aux réunions, il rentre comme un autre, mais je parlais de sa discrétion, on pourrait dire qu'il a aussi une certaine distinction. Et que ça se sent. On a envie d'aller vers lui, mais c'est pas très difficile, puisque lui, dès qu'il vous croise, il va vers vous. Alors, c'est un peu un personnage comme ça. Et je trouve qu'il est bien dans la tradition d'Aubervilliers. Parce que la tradition d'Aubervilliers, elle a été dominée par un maire qui était ouvrier fraiseur chez Malisset, André Carman, qui a mis de la sensibilité, torsadée avec de l'intelligence ouvrière, et même des aptitudes intellectuelles que ça n'est pas l'école qui lui a apporté, c'est les écoles du parti, et puis c'est aussi son intelligence naturelle. Et tout ça, ça a fait Aubervilliers, n'est-ce pas ? On a eu la chance d'avoir un député assez exceptionnel, Van Dijk Rochet. Il était secrétaire général du parti, mais quand il venait faire ses permanences, il était tout simple. Il recevait les gens presque sur le coin de la table et il prenait ses notes sur un petit papier. Ah ouais, c'était comme ça, Van Dijk, vous voyez. Et moi, j'ai travaillé avec les deux. Et même à un moment, on formait un triumvirat qui s'entendait non pas comme larron en foire, hein, mais comme humain
ayant décidé de travailler, de penser, de s'enrichir mutuellement, de s'augmenter les uns par les autres, au milieu d'une population qu'à la vérité, on adorait et qu'on continue d'adorer. Et je trouve que dans ce paysan urbanisé, hein, qu'est Patrick Lehiarik, il y a de cet héritage, mais il y ajoute sa spécificité. C'est-à-dire qu'on va avoir, je le ressens comme ça, un passé que je trouve très beau et un avenir qu'on peut faire beau aussi. Et lui, il sera un peu comme dans une dialectique du mouvement de l'histoire, à y apporter sa pierre, à ne pas oublier les pierres d'avant, mais surtout à travailler sur les pierres de demain.